Yeah people, bienvenue pour la deuxième partie de la réalisation avec Irisai et aujourd'hui avec Keblack et beaucoup d'autres personnes. Alors, c'est parti pour la deuxième aventure, let's go! Yeah people, bien arrivé. Je vous montre la petite chambre. Sale mon sale. Urian il est là. Yaman, ça va pas être là. Pas la suite présidentielle cousin, c'est quoi les balles? On est là. On dirait de Dubaï maintenant. Petite douche. Ça va être du très très sale. Ça devant les deux, ça. Va mettre un slip là maintenant. Perlurus. Yo. Bonjour monsieur. T'as dit quoi? Qu'avez-vous comme question à me poser? Je vous écoute. Ben écoute, venez. On va déjà sortir de la pénombre. Ici j'ai reçu Donald Trump en 2016. Voilà. Ouais, la chance sur Expo là. Donc, le downtown de Los Angeles par là-bas et le downtown de Dubaï par là-bas. Voilà. Un très beau soleil aujourd'hui. Hein. Ouais, il fait très beau. On voit les voitures passer. Et là, on voit la piscine. Merci pour une longue journée. On va dormir, donc on va aller réveiller. Voilà. Yes, allons-y, on va le réveiller là direct. Mais le grand chassé dans sa porte. Genzi, il manque que toi, mon pote. Ah, Genzi, si t'étais là, mon pote. Le BNF reste en place, on s'écarte de la ville et donc qu'est-ce t'en penses? À l'instant de Charo qui reste en cage, une reste en collage, c'est reste en WAM. Une inspire démon qui reste en boîte, Sky dans Cola, bilon dans collage. Y'a que les connards qui rêvent sans croire. Mélo dans la tête et du bif dans l'habillement. Nous on fait la fête et du bif dans habilement. Tu connais la tech, nous les refs tombent pas. Pour du respect, on te casse la tête, cognon. Pour le reste, on parle. Y'a les restes dans la kitchen, freeze et le Witcher, laisse tomber. Bah t'es près de l'eau là hein. Tu vas dire cousin. On rentrait hein. Tu vas dire cousin, il fait chaud, on va rentrer hein. Sinon Mister Lyris. Sale ou quoi? Salement sale. Ah, ouais. Les filles, ça va? Ça se passe? Oui. Bien arrivé depuis hein. Ouais, bien dormi quand même. On a dormi une heure, mais. Ouais. Vraiment, on a pas dormi beaucoup. Vraiment, on est là. Ouais, ça pique. Ouais. L'homme du moment, c'est comment? Oh, ah. Bon, pour le petit vlog. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais, là, il fait bon vivre. Ça passe comment, là? C'est cool. Au calme. Pour le moment, ça va. Comment Abouji l'a fait, elle a ah ouais, toi, tu t'es mis en blanc, chef. Tu peux shine. La brutalité, la brutalité, si tu dois les pesos. Le plus, la vitalité, la rivalité, y'en a pas chutano. Ça commence. Allez, Lyris, fais un salto. Fais un salto. En vrai, ça va bouger un peu. Le mix. Gros. Il a mis trop de dealers, des dealers partout. J'ai fait des réponses, gros. Fais pareil que la mise à plat. Ça ne fait pas le mec, je vais t'aventurer. On a les nouveaux trucs, on s'arrête comme ça. Salut, bon, dis-moi, parle-moi un petit peu de vos activités sur Dubaï. Alors moi je me présente, je suis Steven, j'ai été plusieurs fois champion du monde de ski. Okay. On a créé la compagnie Sea Ride Dubaï et on loue tout ce qui est jet ski, flyboard, overboard. On était les premiers à proposer ça sur Dubaï. On est les principaux acteurs sur ce secteur d'activité. Et on a beaucoup de célébrités, de VIP qui viennent nous voir. Et on peut gérer des tours privés, des tours organisés sur des yachts. On propose vraiment tout ce qui est possible de faire sur le site. Ok, c'est cool. Et vous avez une petite page Instagram ou site? Voilà, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook aussi. Et ça s'appelle Sea Ride Dubaï. Sea Ride Dubaï. Les gens, voilà. Allez-y. Si vous faites un tour sur Dubaï, pensez-y. Voilà. Alors, je te reviens. Il n'y a pas de...
Nickel. Je te remercie. C'est sympa. Et le français, il m'a dit, moi, je peux pas, je suis bloqué. J'ai pu commencer à répondre. Il me dit, voilà, je vais te raconter une histoire. Il était à JBR. Ouais. Il a la grande roue. Il a trouvé une sacoche comme la mienne. Il l'a ramassée. Il l'a emmenée de son hôtel. Il l'a ouvert. Il a pris l'argent. Il a jeté la sacoche. Quasi tout le monde ferait. Ouais. Le lendemain matin, les policiers, ils ont frappé à sa porte. Ici, pas de mandat, hein, du tout. Ouais. À sa chambre. Tac, tac, bonjour. Ils ont fouillé la chambre d'hôtel, ils ont vu la sacoche. Ils lui ont dit, est-ce que c'est à toi? Il a dit, écoutez, je vous le raconte, hier j'ai trouvé, il m'a dit, écoute, est-ce que c'est à toi ou c'est pas à toi? C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas savoir, c'est à toi ou pas? Il dit, mais je l'ai trouvé, il dit, écoute, c'est oui ou non? Non, oui, ça existe non. Pas. C'est à toi ou c'est pas à toi? C'est pas à moi. Ok, t'es condamné pour vol. Non, je vais attendre après. Donc là-bas, ça se passe comment? Ça va être rapide ou... Le quad, ouais. De toute façon, le quad, il va y avoir un petit peu d'amusement. Je vais quand même laisser s'amuser un peu. Mais je vais faire bouger un peu de temps que je vais refaire un texte miratiste. Putain, ça c'était mon rêve. Je veux pas être sponsorisé pour qu'après il me rejette. Et quand tu le veux, eh ben tu le peux. La famille, ouais, c'est sacré. Attends, le joint s'éteint. Passe-moi le feu. Les anciens parlent beaucoup, mais ils sont plus là pour le faire. Et quand là, c'est on va faire la partie de Que Black. C'est parti dans le désert où ils s'amusent un petit peu en quad, etc. Voilà, donc là, on est arrivé dans un petit safari où on peut faire du quad. Un peu de moto, un peu de riding, quoi, voir un peu se promener un petit peu dans le désert. On a des petits plans à tourner ici. Je vous emmène pour voir ça avec moi. Allez, suivez-moi. Yes, sir, pour le désert. I want to. Average. 210. Alors là, nous avons Eva. 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 Je te jure. Alors, Eva, c'est la nouvelle copine. Celle qui va jarter l'autre. C'est la tienne? Merde. Don't shoot my car. Don't shoot your car? Can I shoot you? Donc, on reste sur le même nombre de quads ou on en rajoute? Enfin, je sais pas. Moi, FTZ, il faut qu'on en ait un sûr parce que moi, lui, il va conduire, moi, je vais me mettre derrière. Il va comme ça, tu vois, je suis bien stable. Yeah. Après, les autres, je sais, je vais en mettre pour. Ok, les gens, écoutez, on est arrivé sur le site. On va se procurer des petits quads, un petit buggy, on va faire un petit tour dans le désert. Voilà, voilà. Je vous montre la bête. Les autres bêtes aussi. Faire des vraies choses. Parce que je veux dire, ça c'est du sale, ça. Ça c'est des gros bails, ça. C'est pas les trucs de PD, ça. Faire des économies, tu viens avec ton t-shirt parce que leur foulard là, ils les vendent trop cher. De ouf. Parce que nous, en tant que du Annet, on est habitué à faire le carnaval. Voilà, on vient avec ton t-shirt, tu vois ce que je veux dire ou pas? Aïe. En tout cas, les fenêtres marrons, quoi. Mon cœur est scellé, ouais, comme tous mes billets. 1 kilo, 2 kilos, fais rentrer le papier. Et c'est tout pour la famille, plus que l'eau et Marie-Jeanne. Ok, refais un tour. Yeah, les gens, nous revoilà dans le désert. Voilà, je vous laisse observer un petit peu la vue magnifique. Là, on vient de tourner la dernière scène dans le désert pour aujourd'hui. Donc voilà, super travail. On va continuer la suite demain. Donc voilà, des ça épice. Tu fais, mais personne ne saura que tu l'as fait. Oh là, je suis tagué chez elle, elle a 10 000 followers. Je suis tagué là-bas et tout ça, vous faites là-bas. Non, le truc de panne. C'est des faux followers. J'essaye de m'envoyer des images comme j'ai dit par rapport au thème de l'évolution. Tu sais quelle carte tu marches? Luxe, parce que là on a déjà coupé son. Donc ta carte ne marche pas? Non. Je vais la. Si tu veux.
qui m'ont envoyé autour. C'est quoi votre chambre alors? Nous c'est 23-17. T'inquiète pas. C'est de l'autre côté. Demain matin, rappelle-le-moi au cas où, mais demain je vais m'en souvenir. Dis-moi, Gims, t'as rien. C'est impossible, Gims. Je vois avec toi. Je suis là avec Mister Hakim, l'homme du moment. Hey. Yeah. J'ai réussi à choper quand même, parce que monsieur est très occupé. Je suis un Guyanais. Yeah. Alors dis-moi, Mister Hakim, tu peux nous présenter un petit peu, vu que tu as partagé un petit peu le séjour avec nous. Donc dis-nous tout, Bonjour, Hakim, j'ai une société ici qui s'appelle Dubaï Evasion. Donc on organise toutes sortes d'activités, que ce soit quad, jet ski, hélicoptère, en fait tout ce que vous voulez faire sur Dubaï. Je vous l'organise. Donc vous venez ici, je viens à votre rencontre et je planifie votre semaine de vacances ou votre période de vacances. Je vous fais découvrir Dubaï, même plus encore, Abu Dhabi, Oman, et voilà, soit dans une bonne humeur, une bonne ambiance. Une très bonne humeur, les gens. Concept familial où le client n'est pas un client, mais c'est la famille. Une petite page, j'ai Insta, Snap, Facebook, donc c'est Dubaï Evasion. Sur Insta, sur Facebook, sur Snap. Snap aussi. Dubaï Evasion, tapez Dubaï Evasion, vous nous trouvez. Venez à Dubaï, je serai là. En plus, on me remarque. J'ai un bon gabarit, ouais. Rien rasé. Il est pas petit, ouais. Dubaï Evasion. Avec les yeux bridés en plus. Ouais. Chinois robeux, tu sais pas. Écoute, je te remercie. Franchement, c'était super sympa le séjour. Moi, si je dois revenir, je te recontacte. Les gens, faites pareil. Ce mec, c'est un tueur. Merci à toi. Franchement, reviens quand tu veux. Bienvenue. Quoi? T'as failli faire du chameau, du buggy. Ça fait du buggy aussi. Hein. Ouais, tu fais du buggy, ouais, effectivement. Buggy. Aujourd'hui, une petite île qui est sublime, Zaya, à Abu Dhabi. Zaya. Après, aujourd'hui, l'hélicoptère n'était pas là. Et il réussit du jet ski. Vous verrez tout ça. De toute façon, il va tout vous présenter. Ouais. Ça va être super. Ça va être lourd. Hakim, je te remercie. Bon, big up. Big up. Et à très bientôt. Yes. Yes. On est sur le départ. Retour dans le froid. N'est-ce pas, Mr. Lewis? Je te jure, mon gars, mois de février, moins 11 degrés. Je te jure. Ça va, il y en a, ils vont pas trop prendre le froid. Hein. Il y en a, ils sont dans le sud. Ils sont dans le sud. Dans 3 semaines. Il fait chaud, c'est bon. Ouais. Oui, non, ils en parlent plus. Une dernière petite vidéo. Le chauffeur, il est là. Il a fait le taf. The best pilot. Yes. The best driver. The best driver. Dubai Air driver. Ah. On va profiter de la dernière partie pour me faire des remerciements. Pour commencer, merci à toute l'équipe. Mais non, mais je te taquine. Pour le tournage, les figurantes, les gens à côté, les pilotes, l'organisation, la production, Mr. Liverside, Dubaï Evasion et tous les autres partenaires avec qui on a pu bouger aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Donc, gros big up. J'espère que on retournera et que ce sera aussi bon que ça a été. Voilà. Et le troisième épisode de ce vlog se termine. Ça y est, je suis fatigué, je suis défoncé, j'arrive plus à parler. Je vais rentrer, je vais dormir. Et je crois que je vais même pas dormir parce que quand je rentre, je bosse. Donc voilà. Et il faut monter la vidéo. Donc les gens, je vous dis au prochain épisode. Ciao. Salut. Allez. On vient pas d'ici, on est des étrangers. Pour faire les sous, grand frère remet le bonnet.